Salut les amis, j'espère que ça va. Bon bah écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo avec les Wigo acoustiques type A4. Ce sont des enceintes que mon cher ami Carlos m'a donc prêté pour faire une petite écoute, chose que l'on va faire. Voilà, je vous les montre globalement comment elles sont, donc avec son petit habillage contreplaqué avec 20, 22, 23 kilos au moins ces enceintes-là. C'est pas connu, c'est des enceintes allemandes qui date des années fin des années 70 à mon avis. Le haut-parleur de grave de 25 cm, le médium. Ça pour moi ce serait l'aigu et le super tweeter. Parce qu'à l'écoute ici, ouais, j'ai de l'aigu qui sort. Et sur ce haut-parleur-là, beaucoup moins. Et là on a le médium. Après, je ne sais pas s'ils ont mis que c'était un. J'ai eu du mal à trouver des informations sur ces enceintes-là. Si pour eux, ça ce serait un médium. Donc, à voir. À voir si. Donc, ça, c'est plutôt pas de bas médium, haut médium, tweeter. Mais ça me paraît étrange. Vu à l'écoute comment que c'est, ça me paraît plus d'être par rapport à ce que je dis en premier, quoi. Voilà, là, type A4. Donc, elles sont données pour 8 ohms. 50 watts nominal et puis 70 watts en red. Voilà. Vous voyez, en plus elles sont serties avec le truc de Charlemagne et Louis XIV là. Comme quoi si tu les ouvres, eh ben ça se verra. Ça se verra. Le petit poinçon. Ouais, c'est parti les gars. On va passer à l'écoute. Hop. Écoute sur le Pioneer SA 708. Bon, les amis, étant donné que ce sont des enceintes qui sont très douces,
avec une écoute qui est plutôt feutrée. J'ai donc associé le Pioneer SA708 qui est un peu dynamique pour histoire de mettre à d'équilibrer la balance.